Salut mes gamers, j'espère que vous allez bien. Vous allez se dire, putain, mais pas de flou, qu'est-ce que tu fous? Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. C'est vrai, j'ai été beaucoup moins présent sur la chaîne, j'en suis désolé, et j'espère que vous m'en voulez pas trop. J'ai eu pas beaucoup de temps et j'ai eu aussi un gros coup de mou, une espèce de flouze, mais pas bon mood, pas dans le bon mood, pas de jeu qui m'intéressait, j'en avais ras-le-bol. Et puis j'étais pas dans un bon mood, donc j'ai joué un peu de mon côté sur d'autres jeux, mais j'ai pas envie de présenter sur la chaîne pour le moment. Et là je me suis dit, Timberborn, j'ai pas eu le temps de prendre du temps pour vous faire des vidéos. Et Planet Zoo, c'est pareil, c'est des jeux pour vous faire une vidéo de 20 minutes, il me faut 4 heures de tournage et j'ai pas eu le temps. Tous les week-ends j'étais dehors, j'étais à l'extérieur. Et surtout, le un qui m'a foutu un gros coup de morale, pardon, je vais y arriver, c'est Foundation, où on avait dit qu'on attaquait la cité de Carcaflouze. Et le jeu a complètement crash, la sauvegarde est complètement pétée, ça fait 2 fois que je relance la save, 2 fois que j'ai essayé de faire le truc, ça n'a pas marché, donc vraiment au fond du seau, et ça m'a mis dedans. Et démotivé au possible, donc Foundation, je suis désolé, la série de la Carca City pour l'instant est en stand-by parce que la save est complètement cassée. Impossible de la relancer, et au bout de 2 fois de refaire des sauvegardes, d'essayer de vous tourner des épisodes que vous avez déjà eu sur la vidéo, de mon côté j'ai réessayé 2 fois et à chaque fois ça m'a cassé la sauvegarde. Donc vraiment dégoûté, bref c'est pas grave, je me suis dit je vais faire des jeux pour moi que j'ai envie de vous faire sur la chaîne, auxquels j'ai envie de jouer. Peut-être ce sera un peu plus difforme, je vais essayer de, quand même de vous tenir les 3 vidéos par semaine, c'est-à-dire le mardi soir à 18h, le jeudi soir et le samedi. Dans ces eaux-là, ou peut-être le vendredi à la place du jeudi et le dimanche, ça dépendra du temps que j'ai pour tourner, pour essayer de faire des vidéos quand même assez sympathiques, on va pas se mentir. Et donc là, il y a un jeu à lequel j'avais envie de jouer depuis longtemps, il y a eu leur 2e anniversaire qui est paru cette semaine, avec pas mal de mises à jour qui sont parues cet été, j'avais pas remis les mains dessus, et je vous avais déjà présenté sur la chaîne, c'était Transport Fever, qui est un jeu de gestion pure et dure, comme je les aime, qui nous fait prendre de la peau d'un président de société de transport ferroviaire, routière, marchandise, tout ce que vous voulez. Donc on se retrouve sur la carte en un par un. Il y a des modes, on est en difficulté difficile. On est en départ d'année 30. Donc on n'aura pas tous les véhicules dès le départ, mais ce sera relativement sympa. Donc une map vallonnée, mais sans plus, c'est pas non plus montagneux. Un peu de rivière pour pouvoir tester évidemment les bateaux. Et donc le but du jeu ici, c'est de relier des villes entre elles, avec des ressources que vous voyez, ce qu'il y a tout sur la map. Donc là, on a du pétrole, là, on a des céréales. Il y a des chaînes de production qui vont se monter les unes aux autres. Et j'aimerais bien faire peut-être un petit let's play dessus, si ça vous plaît. Je sais pas, on verra, peut-être 5-10 épisodes. C'est histoire de me remettre un peu à refaire des vidéos et de vous proposer du contenu. J'espère que ça vous plaira. Évidemment, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des défis sur ceux qui connaissent le jeu, n'hésitez pas à le dire, évidemment. Et donc là, on va démarrer déjà par créer déjà une relation. Le but, un conseil que je peux vous donner dans le jeu au départ, c'est de regarder les villes les plus grosses. Donc là on voit qu'on a Champagnole ici, on peut renover les villes par la suite. Là on voit qu'on a Crépé qui est la 2e ville en termes de population, hein. Je regarde, voilà, c'est en termes de population. Là il y a Barentine, ok, et il y a Champagnole qui sont juste à côté. Donc là on pourrait se dire déjà, en termes de liaison pure et dure de passagers, on pourrait déjà relier ces 2 villes, ce qui est pas mal. Le problème, c'est qu'elles demandent des ressources, des marchandises. Vous voyez, les villes ne demandent pas toutes les marchandises qu'on a dispo sur la map, elles demandent 2 types. Donc on voit que Barentine demande des outils, et ceci, je ne sais plus comment ça s'appelle, des rouages, des usines, voilà, des machines. Et ça, c'est beaucoup plus complexe à produire, c'est quand même, ça fait partie des chaînes de production les plus dures à... Enfin, les plus complexes à mettre en place, pas forcément les plus durs, mais les plus complexes. Alors que, à contrario, par exemple, les briques et les outils ou la nourriture est assez facile à produire. En plus, on voit qu'on a des villes quand même ici avec de la population assez intéressante, notamment Champ-sur-Marne et Lucé. Ici, on a quoi? On a Farboche à 200. Bon, il y a vraiment Châtillon qui est tout petite à 86, mais ça, c'est pas grave, on va pouvoir les faire grossir par la suite. Et ce qui va être important, c'est de choper, voilà, des ressources pour pouvoir commencer à mettre du trafic en place, aussi bien passager qu'industriel. Donc je vais regarder un peu de mon côté, voir si j'arrive à trouver pour lancer un peu de l'industrie qui soit pas trop mal foutue. On a des mods évidemment sur la partie est modée, j'ai rajouté quelques mods sympathiques pour essayer d'avoir des bâtiments, des trucs qui soient un peu plus faciles à créer, etc. etc. Donc là, on voit qu'on a par exemple ici des champs qui vont produire donc du grain.
qu'on va pouvoir expédier ici à une usine qui va nous produire avec deux grains une nourriture. Donc déjà, on pourrait relier Champagnole avec de la nourriture pour la faire grossir. Ça, ce serait vraiment pas mal. On a l'eau pas loin et on a de la ville pas loin. Donc on va se baser sur Champagnole. Ici, on voit qu'on a des briques et des outils. Comme je vous ai dit, les outils, on va les farmer un peu par la suite. Et les briques, on a une usine de briques ici qui est pas trop mal foutue, qui est pas trop loin. Donc ça, c'est cool. Il faudra juste des cailloux qu'on pourrait choper... Il n'y en a pas à proximité de la caillasse. Hein. Non, il n'y en a pas à proximité. Pareil, si on cherche, on a évidemment là les villes, mais on a également les usines. Par exemple, en production, on voit qu'on a seulement 4 usines de pierre. Donc, une ici, une là, ok. Ici, ah. Oui, mais non. C'est que toi, tu produis ceci. Ah, ça m'arrange pas, ça. Non, ce que je cherche, c'est les cailloux. Ils sont où? Voilà, là. On n'a pas 50. Il y en a une là à Bordeaux. Ok, Bure, là. Bure 2. Et... Oh la vache! Elles sont toutes les excentrées les unes des autres. Bon, c'est pas grave. On va partir sur de la nourriture. Ce sera déjà pas mal. Pour Champagnole, on va faire un réseau routier. Et on va faire également un réseau routier de bus. Alors, pour ça, il faut se rappeler qu'il y a des zones. Alors, je sais plus où elles sont. C'est quelles sont nos zones. Non, c'est pas ici. Là, c'est notre gestion. Ouais, là, c'est nos lignes. Ça, c'est notre transport. Alors, elles sont... Où c'est qu'on les affiche, les zones, déjà? Il y a les villes, ok. J'ai bouffé les zones de recherche. Bon, c'est... On va essayer de démarrer comme ça. Graphique, destination, fournisseur. Ok. Ouais. Ah, voilà, c'est là. C'est ici. Alors... ça c'est le transport, ok, et là voilà, on a nos résidences, donc on voit en jaune les industries, en bleu les commerces, et normalement le reste c'est de la ville. Là il y a le bruit sonore, les circulations, tout ça, voilà. Là on voit que par exemple il y a pas mal de trafic routier, là il y en a 9, 5 et 15 là, oh, effectivement entre Champs-sur-Marne, et il y a moyen de faire une liaison routière intéressante. Donc on va éviter de faire n'importe quoi, de détruire les bâtiments dans tous les sens parce que ça va nous coûter un bras et demi et qu'on a une difficulté quand même assez élevée. Ça va être compliqué. Combien tu coûtes toi? Toi tu coûtes assez cher et en plus t'es pas le plus sympathique. Par contre toi ça peut être sympa. Ah ouais, il y a le tram et tout le tralala. Ah ouais, dur. Est-ce qu'on peut te poser là? Alors, 1920, ça c'est juste la gueule, ok. Ouais, ça c'est les routes. Électrique, non. Boucle, machin. Dessus, les deux. Attends, comment je peux te faire faire? Il faut se rappeler, évidemment, de boucle à gauche, moins 2. Voilà. Ok, donc si je fais 0 là et que je fais 2 là... Là, ça fait double sens, ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Le truc, c'est que ça va pas pile poil rentrer dans notre bâtiment. Donc ça, c'est moins cool. Toi, c'est pareil, c'est too much. Ou alors, on fait ici, on fait rentrer, sortir. Parce que le but, c'est d'avoir des centres de dispatch assez intéressants au milieu. Donc, bon, on va commencer comme ça. Et on va se dire, ok, on va essayer de construire sans tout péter, évidemment, parce que sinon ça nous coûte cher. Vous voyez, dès que je détruis des bâtiments, ça vaut extrêmement cher. Alors que là, on est un peu plus souple déjà. On pètera évidemment par la suite, mais on va se dire qu'on va avoir un hub central quand même par là. Ce serait pas mal. Donc on va te mettre là. Pour élever Champagnole, on va en mettre... où c'est qu'on a du résidentiel? Résidentiel beaucoup par là. Si je te mets là, est-ce que tu couvres la zone? Tu couvres quoi comme zone? Tu couvres une bonne partie hein, quand même de la ville, c'est pas mal. Ok. Ça c'est cool. Donc on va faire ici, ici et on va relier également ici à Barentin. Ceux qui commenteront, évidemment, je pense que je vous mettrai dans les vidéos si vous avez des idées de ville. On pourra faire en sorte que vous appareillez ici et dans la série comme ça. Ça pourrait être drôle. Vous choisissez un nom de ville ou votre pseudo, comme vous voulez. Ça peut être l'un ou l'autre. Alors, 65 000 de ce côté, ouais. Vas-y, tu sais quoi, on va se mettre comme ça. Hop. Il y a un petit terre-plein central. Ok, c'est pas terrible, mais ça va le faire.
Donc ça, ça va être notre base de liaison. On va évidemment créer des lignes, mais il va nous falloir un dépôt d'abord. Parce qu'évidemment, il faut pouvoir alimenter deux véhicules. Donc les véhicules, ça va partir à gauche, à droite. Donc on va essayer de les mettre à la sortie de la ville par là. Par là, je pense que ça peut être pas mal. Non, excuse-moi, je suis allé trop vite. Si je te mets là, ouais. On va essayer évidemment de faire des trucs jolis également à l'arrivée. Hein. Là, je place un peu, histoire de lancer la compagnie du Flouze. Mais on va essayer de faire des jolies gares, des jolis hubs. Surtout des hubs de transport. Moi, ce qui m'intéresse dans ce type de jeu, c'est d'avoir des gros hubs de transport. C'est très sympa. Alors, on va partir de là. Et on va aller en Champagnole ici. On va faire une ligne simple, aller-retour. Donc là, c'est bus, évidemment, Champagnole. Allez, ça est mignon. Important de tout renommer, pardon, parce que sinon, à la force, on s'y retrouve plus. Donc évidemment, Champagnole va être notre ville principale, je pense, à l'arrivée. Champagnole, hop. Voilà, Barentin, je sais même pas où ça se situe en France, je sais même pas si c'est français. Normalement, c'est que des villes françaises, mais Barentin, inconnu au bataillon. Pour commencer, on va évidemment acheter des véhicules. Alors, en passager, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a que des vieux coucous. Hein. Par contre, en vitesse max, est-ce que j'ai moyen de voir la VM de ces routes-là? Rue, tac. Normalement, il y a moyen de le voir, mais je ne sais plus où c'est. Ça doit être peut-être là-dedans. Voilà. Non. Filtre 1, très mauvais, ok. Il n'y a pas moyen de voir... De voir la vitesse max de ces routes-là. Bon, c'est pas grave. On va acheter des véhicules qui nous sembleront à peu près potables. Donc 35 km/h. Ok, 40 là pour 31 passagers. Ça, c'est pas mal. Et en plus, il nous coûte moins cher. Pardon. Il nous coûte moins cher à l'année, en entretien, tout ça, tout ça. Vitesse de chargement est plus rapide. Vitesse plus rapide. Donc on va en prendre 2. On va en mettre un sur la ligne rouge, un sur la ligne jaune, évidemment. Voilà. Donc comme ça, ils vont commencer à partir. Voilà, on va lancer le temps. J'ai un mode aussi qui permet de réduire la vitesse des défilements des jours. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on a des recherches qui apparaissent et ça devient compliqué. Si on a tout qui se perd. Donc là, il y en a un qui est parti. Les gens vont commencer à venir. Ça va être sympathique. Pour aider nos villes à grossir, comme on a dit, on va essayer de leur amener un peu d'industrie qu'ils ont besoin. Donc je pense qu'il y a un truc qui peut être fort sympathique, c'est d'avoir la nourriture qui est stackée pour Champagnole, même si c'est la seule qui demande des 4 premières là. On voit qu'on nous demande pas mal d'outils, mais on n'a pas d'usines vraiment proches qui peuvent produire des outils. Si là, il faudrait des planches qu'on peut produire là. Il y aura vraiment un gros transport entre ces 4 villes là d'outils, mais on le lancera un peu plus tard. On va déjà faire en sorte que nos villes puissent tourner, enfin que notre entreprise tourne sans perdre de l'argent, ce sera déjà pas mal. Donc là, on va se mettre petite rue plus campagne. Voilà. On va faire une déviation pour éviter de passer par la ville pour nos camions, sans faire un truc de fou furieux non plus. Mais genre on relie là, pam. Alors attends, on va essayer de faire un truc, voilà, un peu sympathique. En virage, ici toi tu vas passer là et tu vas rejoindre là, voilà. Parce que je vois que là par la suite on pourra rejoindre l'usine ici. Et ici ils vont passer là, tac, ils vont venir là. Et le plus simple ce serait qu'en fait ils arrivent. 25 minutes, donc ça coûte cher quand même, à faire gaffe. Voilà, ils vont arriver simplement ici au milieu des bois. Et de là, hop, ils reprendront ce petit tronçon, ils redescendront là. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc là, oui, non, mais bulldozer, c'est bon, les astuces, je les connais, mon gars. Donc là, maintenant, il va falloir dire à des loulous de camion, de venir transiter de la bouffe. Donc on voit qu'ici, ils en ont besoin. Ce serait pas mal que ça arrive là. Est-ce qu'on dessert à peu près tout le monde? Ouais, quasiment. Il n'y a que quelques... Ouais.
ils feront le tour de la ville, hop, ils partiront là. Au pire, ici, on peut les aider en city à revenir là, on fait un angle droit et on revient ici. Comme ça, les camions vont remonter là, hop, 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 là, ça tourne. Ici, on n'a pas besoin et là, c'est bon. Donc, on va faire une boucle, mais en deux lignes également pour éviter que ce soit les mêmes camions. Oui, par contre, il faudrait que je leur mette des points de chargement, c'est mieux. Tac, fret. Alors, ici, usine de fret, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà, j'allais dire, tu coûtes cher quand même. Là, ça fait un bâtiment modé, d'accord. Ça a l'air sympa. On va éviter de mettre juste des points de chargement comme ça, parce que je trouve ça un peu nul. Celui-là est vraiment bien, mais vraiment trop grand pour le moment. Donc là, on va juste te mettre toi. Est-ce que si je te mets là... City News, ouais, non, country, hop. Capacité, plateforme, on va mettre 300. Ça, c'est pas mal. Tram, non. West Entrance, voilà, non, on veut juste une entrée. Pour commencer, ce sera pas mal. On va te mettre... Faut quoi qu'on te met là, hein. Non, là, tu relis pas. Voilà, il faut que le bâtiment soit en blanc, évidemment, pour que ça compte dans la chaîne. Donc là, toi, ok, tu vas aller là. Et là, déjà ici, on aura moyen de faire peut-être un plus gros hub, même en termes avec des trains et compagnie par les gares par la suite. Je pense que la gare pourrait passer là. Enfin, juste que je pète ici. On va péter là. Oui, on va mettre pause 2 secondes. Bouge pas, mon pote. Je place mon bâtiment et après... Et après, on fera ce qu'on peut. Hop, donc là, on va se mettre un peu plus précis quand même. Voilà, on va essayer de se mettre à côté du bâtiment. Ici, on mettrait pas une capacité énorme. Ou alors, on le fera par la suite. Parce que là, ça coûte 57 000 quand même. C'est pas donné. On va mettre à 500. Est-ce que ça prend la longueur du bâtiment? Ouais, quasiment. Donc ça, c'est cool. On va juste laisser un peu de place au niveau de la sortie, que les camions puissent s'y poser. Voilà. Le bâtiment est pas le plus joli du monde, mais bon, ça fait le taf, quoi, pour se dire que c'est un bâtiment routier qui va stocker effectivement de l'industriel. Ça fait largement la salade. Hop, non, c'est celui-là. Tac. Donc toi... attends, toi, on va te relier où? Là, ça va venir là. Nanana, nanana, ça repart. Donc toi, tu pourrais partir plus ou moins. Hop. Comme ceci. Tu reviens là. Hop. Toi, on te rattache ici. Ici. Il va pas vouloir. J'ai fait du caca. C'est pas bon. Attends. Bouge pas. Viens là. Toi. Voilà. Et toi. Voilà. Mais on est en contrebas ou quoi? Ah, mais oui. C'est pour ça. Voilà. Ça va aller un peu mieux comme ça. Ça coûte un peu cher. Faut faire gaffe à ce qu'on fait quand même. On va éviter de dépenser trop de pognon. Ok. Donc là, c'est bon. Première ligne. Donc ligne 1. On va mettre céréales. Céréales. Voilà. On va lui dire, tu prends là et t'amènes là. Évidemment, tu fais ce que je veux pas. Donc là, quand le jeu vous fait un caca nerveux et vous dit tu veux pas, tu fais un point de cheminement. Quitte à répéter par la suite. C'est pas grave. Donc là, tu charges là, tu passes ici. Et tu charges là, tu passes ici. Voilà. C'est pas bon dans le sens où toi... Ouais, ça, mais c'est parce que la sortie du dépôt se fait dans ce sens-là. Ok. Attends. Bouge pas. Là. C'est pas opti, mais c'est pas grave. C'est juste que ce soit voilà, un peu plus logique, là, tac. Comme ça, ils évitent de passer par la ville. Ça évitera de faire des bouchons. Donc ça, c'est les céréales. Et là, après, on prend ici et on vient vider ici notre pain. Hop. Pain champagnol, c'est ça? Je crois, oui. Champagnol. Là. Je ne sais pas où ça se situe dans la France, mais on verra bien. Ah, par contre, j'ai oublié de rajouter... Le système couleur. Bon, c'est pas grave. On le laissera comme ça. Donc là, on a notre ligne. Maintenant, il nous faut du merchandise. Alors, oula, on a pas mal de véhicules quand même. D'accord. Toi, tu proposes quoi? 30 km/h, 9 de capacité. Ok, toi, 8 pour 40. Ça, c'est des vieux coucous. Camion Benz, 40 pour 7.
30 pour 9, ouais, c'est pas terrible. Mais il prend toutes les types de marchandises. Diesel, ok, céréales, 9, 8. Est-ce qu'il coûte un peu moins cher à l'entretien? Oui, mais ils vont un peu moins vite aussi. Et là, c'est le meilleur compromis, j'ai l'impression. Toute marchandise, 8. On va en prendre 4. Ça fait 400 000 là déjà. 300 000, 4. Là, on va les mettre sur céréales déjà pour lancer. Voilà. Par contre, pour que le jeu prenne en compte, il faut que toutes vos lignes soient actives. Donc là, on va prendre toi par exemple. Là, tu coûtes un peu plus cher. Mais on va mettre qu'un. Et là, on va mettre sur le pain. Donc comme ça, le jeu... Ah, on va y arriver. Le jeu va se dire... Ok, toutes les lignes fonctionnent. Donc, je vais pouvoir commencer à stacker du pain. Ce qu'il est en train de faire. Enfin, des céréales. Et l'usine va comprendre qu'elle va pouvoir produire du pain. Et qu'on va pouvoir l'envoyer à Champagnol. Et là, ça va commencer à se lancer. Ça va être intéressant en termes de nourriture. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est également, vu que là, il y a un truc qui va se passer, je pense, c'est qu'ils vont pas partir tous pleins et qu'en plus, l'équilibrage est pas bon. Ça, c'est un petit défaut du jeu, c'est qu'en manuel, il faudrait le prendre et dispatcher manuellement les véhicules pour qu'ils soient un peu plus étalés. J'aurais pu faire du forcing. Là, on voit que lui, il va rentrer... Ah oui, il rentre par là, ok, d'accord. Il va se mettre là et le mieux, là, quand c'est comme ça, pour éviter de payer des frais pour rien... C'est qu'on se met sur la ligne et on dit tu charges à embranchement que si t'es plein. Chargement complet tout. Voilà. Donc là il va se mettre en stand-by. Ça va nous coûter moins cher que quand il roule. Et ici là normalement voilà, on a déjà du céréal. Et on va faire pareil sur la ligne je pense pour le moment, pour le début. Après à rééquilibrer peut-être par la suite. Voilà. Allez-y petit pote. Zut, excusez-moi, on enlève les menus, voilà. Donc là, ils vont charger, on va voir que ça commence à descendre. Il est plein, 7 de céréales, lui pareil, et lui pareil. Ok. Donc après, il y a Champagnol qui va nous dire, ok les gars, vous fournissez X volume de pain pour une demande de 107. Donc ça, il va falloir que ça se lance, ça va prendre un peu de temps, c'est pas grave. Est-ce que nos petits bus ont du monde? 3 personnes. Et là, est-ce que tu as pris du monde? 11 sur 31. Donc, c'est pas dégueulasse. On voit qu'il y a 6 personnes pour Barentin, 6 personnes pour Champ. C'est pas énorme. Est-ce que la ville est pas trop mal desservie? La ville est mal desservie. Donc, ça, c'est un petit problème. C'est que là, pour booster la ville, je pense, c'est peut-être pas le plus rentable au début, mais ça aide pas mal à faire... comment dire? À faire de la desserte locale. C'est de proposer un petit peu, pas en grande quantité parce que ça nous coûtait un bras sinon, mais un petit... Tu ressembles à quoi toi? Ouais, toi ça peut aller. De desservir un peu la ville, c'est-à-dire de mettre un arrêt de plus par exemple qui permettrait de desservir un peu l'usine en bas. C'est-à-dire s'il prend là, hop, il monte, on le fait tourner en sens inverse, on se dit il dessert le nord de la ville par là et un arrêt qui dessert le sud de la ville par ici. Et là, on fait une ligne interne à la ville pour pouvoir desservir Champagnol. C'est-à-dire que les gens vont s'arrêter là. Et Champagnol, voilà. 1. Comme ça, je sais que c'est la ligne interne 1. Et on va juste mettre un petit bus qui coûte pas grand-chose. Un petit passager, genre un Kiki. Toi, c'est quand même ridicule. Non, un petit truc qui fait du 30. Il n'y a pas un bus qui fait juste 30. Voilà, toi, 16 capacité. Ok, voilà. C'est un vieux coucou. C'est pas grave, on les changera par la suite. Ça ira très bien. Donc là, on le voit sortir la cacahuète. Ok, on peut le suivre. Donc c'est vraiment des vieux véhicules, mais c'est beaucoup plus joli. Le jeu a été remasterisé aussi. Enfin, pas remasterisé, non, je dis conneries. Il a été mis à jour et les devs ont rajouté pas mal de trucs. Et depuis... Ils ont rajouté des clignotants, des nouveaux systèmes aussi où on peut pousser un peu les véhicules, de nouvelles gestions de lignes. Donc ça, c'est cool. Et ça rend le jeu un peu plus beau. Donc ça, c'est sympa. Et là, on voit qu'il y a du monde. Bon, il n'y a personne qui attend pour cette ligne-là. C'est le temps que les gens comprennent et que le jeu comprenne qu'on le dessert. Voilà, qu'on essaye de faire quelque chose. Là, on voit qu'il demande 114. Vous voyez, ça a
déjà pris 7 de plus. Est-ce que notre véhicule de pain est parti? Il est où? Il est où le bonhomme? C'est pas toi? Il est où? Il est là. Donc lui, on voit qu'il a livré... Ah. Ou alors il a pas livré. Il est parti parce que ouais, il y a un temps d'attente, mais il est pas infini le temps d'attente. Donc là, je peux par exemple, hop, dupliquer et dire tu m'en mets un deuxième. Donc le dépôt va sortir un deuxième véhicule. Ça va aider. Parce qu'on voit qu'on a un peu de stock. Ouais, on a 13 pains. Et lui, il en transporte 7, si je dis pas de conneries, 7 ou 8. Donc plus ou moins ce qu'on peut prendre. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, il en a pris 8. Ok, là, ça va devenir... Ça va commencer... Les lignes vont commencer à être rentables. On peut lui surveiller, évidemment. C'est où la gestion des lignes? Là, on a toutes nos lignes, mais... Ce qu'on veut voir, c'est... Route, voilà. Là, on voit que pour l'instant, on est perdant. Et normalement, si je dis pas de bêtises... Non, ça, c'est la gestion. Où c'est qu'on voit les fins? Ah, non, c'est là, alors. Voilà. Là, on voit nos lignes. Ce qu'elles produisent, est-ce qu'elles sont rentables ou pas? Donc, on voit que les bus commencent à être rentables. Les céréales aussi. Pain, ça va devenir rentable. Et le bus interne, bon, lui, il peut être perdant. Ça peut se comprendre. Là, on voit qu'on a pas mal de céréales. Donc, ça, c'est cool. Ça commence à s'équilibrer, mais sans plus non plus. C'est pas folichon. Donc, on va en rajouter, je pense. On va en rajouter 2. Hein. Voilà, 2 de plus. Ça va aider. Je pense que ça va pas faire de mal à faire un flux régulier, quoi. Pour produire pour Champagnol. Également, Barentin, c'est pas mal. Donc, les outils, ça va être un des gros trucs, je pense, à prévoir pour les villes. Est-ce que on a du monde Champagnol, destination? On voit que ils veulent aller à Champ. Ils veulent aller là, à Lucé. Ok, il y a du monde qui veut aller à Lucé. Donc, on pourrait créer une ligne également qui dessert Lucé. Tac, tac. Alors, est-ce que... Comment elle est foutue, la ville? La ville est foutue bizarrement. C'est pas terrible. Parce que si je te pose un arrêt ici, tu vas pas tout me desservir. Hein, non, tu vas me desservir la moitié de la ville. Sauf que les habitations sont... La ville va s'étendre par là. Donc, je pense que si je te mets là, c'est pas si déconnant. On pourra te refaire également par la suite pour que tu sortes plus haut. On va pouvoir aider la ville... En lui disant, allez, vas-y, connecte-toi, mon poulet. Voilà. Et, tac, bâtiment passager, on va dire, hop. Donc là, et on va faire, elle, cette ligne-là, elle va desservir un peu plus de ville, on va dire, dans un sens. Dire que là, la ville, elle va faire la ligne qui fait Champollion, enfin, Champagnol, pardon. Ici, elle va passer en premier lieu ici, et ensuite ici, et après, hop, elle repart. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bon. C'est bon. Hop. Champagnol. C'est trop long à écrire, mais c'est pas grave. Lucé. Voilà. Hop. Et là, toujours pareil. On va prendre 2 véhicules. Alors, en passager, est-ce qu'on prendrait pas 40, 31. Ouais, non, on va prendre toi. On va en prendre un pour démarrer la ligne. Et on en rajoutera un quand lui arrivera au bout de la ligne. Ça va commencer à desservir, Champagnol va devenir un hub transit et c'est là où il va falloir réfléchir parce que après le jeu nous impose aussi, vous voyez, de la bruyance sonore. Non, c'est pas bruyance. Bruyance. Putain, j'ai bouffé le nom, je suis con quoi. Oh mon dieu, que je suis fatigué, ça va plus la tête là-dedans. De la bruyance sonore. Oui, enfin du bruit, vous avez compris quoi. Vous voyez que les bâtiments là sont pas top parce que c'est élevé, effectivement. Après, on a le trafic routier. Où on peut enlever les feux rouges si on veut. On peut en rajouter, on peut modeler un peu ça comme on veut. Donc ça, c'est pas mal. Filtre de station, voilà. Donc ça, on voit si c'est plein ou pas. Il y a du fret également. Donc est-ce qu'on commence à produire un peu? Voilà, on alimente de 15 pour une demande de 133. Mais ça permet d'avoir un plus 10% en croissance. Là, en plus, destination à plus 30, plus 60. Donc, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. On n'est pas terrible, terrible, mais c'est pas dégueulasse. On pourrait faire pire, on pourrait faire mieux. Donc là, c'est desservi. Lui, c'est desservi. Ok. Est-ce qu'en termes de destination... Ok. Barentin, c'est desservi. Châtillon, c'est où? C'est là, mais là, c'est tout petit comme ville. Ouais. La demande n'est pas ouf, ouf, quoi. Par contre, est-ce que Champ... Par exemple, en destination, vous avez Châtillon qui est plutôt bien placé. Utilisation de la ligne, là, si on te regarde. Châtillon, t'es où, là?
D'accord, il y a un peu de demande là. Et toi, c'est embrun. Zut. Oui, donc ça, c'est bon, c'est des graphiques. Donc ça, c'est très bien, parce que le jeu qui propose pas mal de graphiques. Embrun, il y a un peu de demande, mais c'est pas folichon. Mais ça permettrait peut-être à, voilà, à ces deux villes, Barentin et Lucé, de se dire « Ah, il y a un hub, donc quitte à faire un deuxième hub, au pire, à Champs-sur-Marne, plutôt que de faire Champagnole-Châtillon, on va servir de notre hub ici. » Et on va créer deux lignes supplémentaires. On va faire... oui, mais il faut d'abord poser les bâtiments, Pat. Sois pas couillon. Donc là, c'est vraiment une petite ville. Je pense que juste un arrêt, ça suffit. Ouais, non, on va quand même leur mettre un arrêt comme ça. Histoire de dire que les bus puissent repartir assez facilement. 109 000. Oh, les gars, vous exagérez, là. Ouais, il y a du terraforming, mais quand même. Quand même, ça fait cher. Ça fait cher, la butte. Ouais, la ville est vraiment pas terrible en termes de... Il y a une butte juste là, quoi. C'est dégueulasse. Est-ce qu'on pourrait se placer sans trop péter de bâtiment et que ça nous coûte un bras et demi? 400 000 dès qu'on pète un bâtiment, c'est une honte. Là, 200 000 à la limite. Mais on dessert rien, là. Si on dessert la ville. Pourquoi ils nous comptent pas qu'on ne dessert pas la ville, là? T'es pas gentil, le jeu, avec moi. Parce que là, on ne dessert vraiment rien. J'aimerais bien desservir les usines, quoi, aussi. Bon, le jeu devrait être tolérant par rapport à ça. Donc on va se mettre là, voilà. Là, ça nous a coûté un bras, donc on voit qu'on est tombé de 10 millions, on est passé à 8 150 quand même. Hein. C'est pas ouf. Et là, Châtillon, on va essayer de faire un peu pareil, de voir si on peut desservir plus ou moins la ville sans se mettre trop dans la sauce. Genre... Je te mets là. Parce que là, on voit que la ville va pousser en termes de résidentiel. Il y a un carrefour, donc le jeu pétera le carrefour, au pire, s'il veut. Moi, je vais pas péter... la maison, et on va se dire, on va te poser un arrêt, quand tu descends, t'arrives, tac tac, on va te mettre un arrêt là, voilà, là ça c'est cool, hop, tu repars, là tu fais un hub, ici pareil, hop, et tu reviens, ok, donc ça c'est pas dégueulasse, cette ligne là, la ligne 1, on va la prendre pour aller à Embrun, voilà, on va commencer déjà à faire bouger des gens par... par bus, et une fois qu'on voit que les gens surchargent les lignes, on commencera à attaquer les trains, je pense peut-être d'ici soit la fin de l'épisode, soit le deuxième. Ça dépend en fait du jeu, comment il va nous gérer le Schmilblick, parce que les trains coûtent extrêmement cher à mettre en route, et c'est pas forcément rentable au début d'y aller comme un forceur avec du train, parce que ça nous coûte tellement cher, trop cher, beaucoup trop cher. Je me dis, est-ce que je pèterai pas ce bâtiment là et je le repasserai pas là par là au milieu central? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Là c'est un peu de la perte d'argent, mais c'est pas grave, c'est histoire de commencer, essayer peut-être d'optimiser un peu le Schmilblick. Après les bâtiments, bon voilà, lui c'est pas ce qui nous coûte le plus cher, on va pas se mentir, mais comme ça il est un peu plus central déjà à notre réseau routier de départ, et ça va peut-être aider. Donc là, on va prendre toi. On va continuer avec toi. Pour l'instant, on n'a pas meilleur véhicule. Donc la ligne marron, là, marre en brun. Et on va en prendre un autre pour faire Châtillon. Là, voilà. Donc là, on est passé en dessous des 8 millions. Mais normalement, si je dis pas de conneries, voilà, nos lignes commencent à être toutes rentables. Ça, c'est pas mal. On voit que le bus... Oh, la jaune, là. La vache. Il doit être ras la gueule en permanence. Il est où, le bus, là? Il est où, Checky? Ah, toi, c'est pas la bonne. Toi, t'es... Ah non, t'es même pas plein, hein. 14 sur 31. Où c'est qu'il y a du monde qui attend, là? Ah ouais, d'accord. C'est celle-ci. Donc là, le mieux, c'est de prendre la ligne et de se dire... Ok, c'est bus... Non, alors... C'est de prendre celle-ci, voilà. Et là, on dit... On duplique. Voilà, on met un deuxième. Je ne sais pas où est le premier... Mais c'est pas grave, il est peut-être pas parti. Là, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des bus plus modernes pour pouvoir changer les couleurs et compagnie. Ça pourra aider. Pour l'instant, vous voyez, je mets le jeu en un quart de vitesse d'accélération de temps du jeu. Pour pas qu'il nous fasse des recherches trop rapidement. On aimerait bien passer quelques années quand même avec un peu de recherche. Enfin, un peu de véhicule, voilà, qui fonctionne. Est-ce que...
Eux, ils sont censés pouvoir rouler à 40, ces bus-là. Est-ce qu'ils tiennent les 40 sur les routes de campagne merdouille qu'on leur a mis, là? Là, on voit qu'ils font du 13 en ville. Mais ils sont vraiment jolis. Les animations sont vraiment belles. 31 personnes là-dedans. Moi, j'avais pas... Franchement, à cette époque-là, je sais pas ce que vous en pensez, les copains. Mais faire un si long trajet avec un bus pareil, c'est absolument pas adapté. Parce que déjà, je pense que le toit ouvrant... Bon, voilà, t'as compris, quoi. Mais alors, en plus, là, moi, j'aurais pas confiance. Mais alors, pas confiance du tout. Ok, 40. Ouais, 40. Ouais, ok, d'accord. Ils tiennent sur ce pavé-là, donc ça, c'est cool. Nos céréales et nos pains, comment ça se passe là-dedans? Ça tourne, il y a du monde, il y a du bus, il y a du pain. Il y a du pain qui arrive. Et les autres, ils sont... Lui, il revient. Ouais, il y a un carrefour de merde là. Faudrait pouvoir améliorer ça. Ça fait un peu bouchon, quoi. Ça fait un peu bouchon. Est-ce qu'on peut faire des ronds-points? Je pense qu'il y a moyen de faire des ronds-points. Je ne sais plus comment on fait. Il y a moyen de faire des ronds-points. Est-ce que vous croyez que si on fait un rond-point... On va essayer. Hein, j'ai jamais essayé sur le jeu. On va essayer d'en faire un. Ça pourrait être drôle. Si on prend toi, voilà. Alors, comment on fait un rond-point là-dedans? Je croyais qu'il y avait des ronds-points tout faits. Il n'y a pas des ronds... Il n'y avait pas un moyen pour faire les ronds-points plus facilement que ça? Ah, là, ça marche pas. D'accord. Mon dieu, qu'il est moche, mon rond-point. C'est n'importe quoi. C'est moche. Mon dieu, que c'est moche. Attends. Déjà, il faudrait qu'il soit sens unique, le bazar. Ah ouais, non, mais là, ça marche pas du tout, là. Oh là là. Bah, il doit avoir moyen. On peut pas faire un rond-point. Je sais pas. Faudrait que je regarde sur le mode, sur le... Non, là, c'est pas bon. Faudrait que je regarde s'il y a possibilité de faire des... Soit s'il y a des mods qui ont déjà des ronds-points de préfet. Parce que là, en fait, c'est un peu le bordel. Après, ce qu'on pourrait faire... Ouais, mais ça va coûter tellement cher à mettre en place. C'est dommage. Faire ça pour 4000 à la limite. Ah, si ça soulage un peu le si ça soulage un peu les routes, mais j'y crois absolument pas. Du moment que ça reste à peu près fluide, que ça commence pas à boucher de partout, ça me va. Parce que le truc galère aussi, c'est quand il va avoir les passages à niveau, ça va être une sacré bordel à gérer, et ça, c'est moins cool. Donc là, on est d'accord, on a relié toutes ces villes là. Tac, tac. Ouais. Alors, toi, t'es un peu loin là. Toi aussi, Grandville. Mais ouais. Donc là, déjà, ça fait un bon petit réseau. Sauf que toi, t'es intéressante parce que t'as quand même pas mal de populace. Une gare est saturée. Certains passagers, blablabla. Ouais. On est au courant, la gare saturée, ça doit être celle-ci. Voilà. Où effectivement, on voit que nos petits véhicules... Mais toi, t'es là, t'as chargé. Ok, donc ça va. T'es où, toi? Ah ouais, toi, t'arrives ici. Donc là, on va te dupliquer. Comme ça, il y a un autre véhicule qui va partir. Il y a deux, ça devrait être pas mal. Il y a aussi un système de temps sur les lignes où on voit en fait la fréquence de passage... Et là, on voit que par exemple, là, c'est un peu haut pour cette ligne-là. Ça mériterait d'être doublé parce qu'on a 12 minutes. Surtout s'il y a du monde qui attend dans la gare. Pour l'instant, c'est pas ouf. Donc, doublage, non. Et ici, il n'y a pas un chat. Bon, après, il vient de passer. Je viens de le voir au bout de l'écran, là, voilà.
Est-ce que t'es plein, mon gars? Non, même pas. Donc la fréquence est pas terrible, mais ça va. Par contre, toi, t'es plein, là? Lucé, ok, d'accord. Donc ici, par contre, ouais. Là, ici, ça vaudrait le coup de doubler. Voire peut-être même de tripler. Et les bus vont se répartir après le trajet. Ça sera pas mal. Alors, ça fait bouchon. Attends. Est-ce qu'on met un feu rouge là et un feu rouge là? Quitte à faire un peu bouchon, tant pis. C'est en campagne, mais au moins ça va peut-être faire en sorte que ça circule un peu mieux, parce que là c'est un peu le bordel, quoi. C'est pas assez fluide, quoi. Pourtant, ici ils peuvent reprendre, hein. Ouais, non, non. C'est vrai qu'il y a du trafic en fait partout. Attends, on te fait revenir là et on enlève ça là. La gestion du trafic n'est pas gérée comme, du tout comme sur City Skyline, donc un peu plus complexe à appréhender. Ouais, non, il y a trop de monde là. Trop de monde. Attends, on va enlever ça. Là, ce qui m'a enragé, c'était vraiment un rond-point. Hein. Les gars, je vois pas d'autres trucs. Hein. Y a pas moyen de faire un rond-point fastoche là? Voie de bus, non, oui. One chip, non, pas besoin. Ou alors je fais. Il veut pas me laisser faire mon rond-point comme je veux. Après, c'est le temps que ça se mette en place, peut-être. Ça va circuler un peu mieux. Ouais, c'est quand il y a les camions qui arrivent là que ça pose sous saille. Ou alors... Attends, bouge pas, regarde. Hop. Si on te fait un truc comme ça. Un peu joli. Contre-accord de là. En angle droit. Hop. Alors, on va déjà voir ce que ça donne là. Ouais, ça veut dire qu'ils empruntent là. Donc, ça veut dire qu'on pourrait éventuellement casser celle-ci. Et celle-ci. Voilà. On va laisser qu'un carrefour. Comme ça, eux vont tirer tout droit. Eux, ils passent à droite, ok. Ça va peut-être diminuer un peu la circulace là. Pas gagner, mais ouais. Ok, donc il y a du passager. En termes de flows, on est comment? On voit qu'on gagne de l'argent de toute façon sur nos lignes, j'ai l'impression. Elles sont toutes full rentables. Et pourtant, on est en mode difficile. Hein. Mais j'ai bien mis de mode difficile hein, sur la carrière. Ok, c'est juste qu'effectivement, l'argent est un peu dur à faire monter, mais ça, c'est pas très grave, on va s'en démerder. Il y a beaucoup de monde sur bus du C. Toi, t'es là, ok. Attends. Non, c'est pas ça. C'est celle-là. Ils sont tous pleins. Hein. What the fuck? Et bus du C, ils sont... On va rajouter une plus même. Parce qu'on voit que la ligne est full rentable. Ça, c'est cool. Mais c'est vrai que la ville est pas petite. Elle a 340 passagers. Enfin, habitants. Là, on est à 500, donc... C'est quand même... ouais, c'est quand même, tu m'étonnes que ça transite pas mal là. Ça fait quand même un gros village. C'est plus un gros village. C'est plus un village là, même. C'est une grosse ville. Et ce qui est cool, c'est que Lucé, elle pourra servir de port. Je pense de port principal. On pourra évidemment... on peut terraformer le terrain. Vous voyez, creuser. Ça vaut juste un bras et demi quand on fait ça. Mais c'est pas grave. Ça se fait, et ça c'est cool, et on pourra s'en servir pour faire un port et vous voyez, desservir Champagnole. Peut-être chance sûrement pour avoir un port aussi un peu indépendant, donc ça c'est cool. Donc là on voit que c'est tranquille, ça tourne, c'est rentable, donc je me dis, les prochaines grosses villes, elles sont où là? Tac, attends, bouge pas, voilà, donc Champ on la dessert, Barentin on la dessert, oui, Lucien on la dessert, il y a elle. Ouais, il y a elle, mais elle, il faudrait la desservir par bateau. Enfin, du moins, en train, ça va être court. Tac. Si je réfléchis à un train... Déjà, un train, je veux qu'il y ait un train... je pense que notre gare, si on la place la première, ce serait top de l'avoir à Champ-sur-Marne et de pouvoir aller tirer sur Granville et faire cette ligne-là en train. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Tout en prévoyant par la suite d'avoir de l'industriel qui passe à Corte.
Corté, ouais, c'est... Non. Est-ce que c'est la ville comme en Corse, c'est Corté? Ouais, il manque le « e ». Et faire un hub industriel plus passager ici. Comme ça, on récupère toutes ces marchandises-là, on les ramène à Champs, et de Champs, après, on peut redispatcher à droite, à gauche, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Mais il va nous falloir de la place. On a un peu de place, mais pas exponentielle non plus. Et après, ouais. Là, il y a de la bouffe qu'on pourrait effectivement se servir ici pour également alimenter en nourriture si on veut faire grossir des villes, par exemple pour Corté, faire des trains de marchandises couplés avec du train de passagers. Ça pourrait être pas mal. Et là, pour ce premier épisode, je suis pas mécontent de ce que j'ai fait. On voit qu'on est en bénéfice pur. On transporte pas loin de 1000 passagers. On est remonté à 9 millions, donc on a repris 1 million malgré tous les investissements qu'on a fait. Donc ça c'est cool. Là, on voit qu'ici, il y a du hub quand même. Là. Ouais, l'UC, c'est assez violent. Elle passe par où, la ligne? L'UC, elle passe par là, tac, tac, tac. Pourquoi vous passez pas par là, les gars? Ce serait moins chiant, quoi. Ouais, je pense que là, cette gare-là, elle est trop mal placée. Va falloir la recentrer quelque part. Quand on aura assez de pognon, péter peut-être un peu ce quartier-là. Et faire un gros hub de bus par là. Tout en prévoyant, évidemment, notre gare ferroviaire qui passera, je pense. Alors, Barentin, on la desservira, évidemment. Mais il faudrait creuser un tunnel. Elle est tellement mal foutue dans cette enclave que c'est pas terrible. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose avec des petites gares de passagers. Là, ça va être sympathique. Et si on fait du 4 rails sur 320 direct, ça coûte cher. La gare coûte 1 million à elle toute seule. D'accord, j'avais oublié que c'était aussi cher. Mais on va le faire. Et là, en plus, il y a un joli truc tout droit à faire, machin, pour pouvoir dispatch ensuite et tout. Ouais, il y a un moyen de faire ça. Donc, prochain épisode, les amis, qui sera... peut-être ce week-end, samedi. Ouais, peut-être ce week-end, on fera le deuxième épisode là-dessus. Où on placera notre gare. Plus ou moins par là, à Champs-sur-Marne. Ça devrait être sympathique. Sur ce, mes gamers, si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires, un petit pouce bleu et à vous abonner pour avoir la suite des vidéos. Je suis désolé de ne pas avoir publié autant de vidéos que prévu depuis ces 10-15 derniers jours. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop, mes gamers. Et on se retrouve sur de prochaines vidéos, sur le prochain jeu sur la chaîne. A plus, ciao, ciao!